Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un entraînement un peu particulier, donc vous allez avoir besoin par contre d'un vélo. Pas obligé d'avoir ce que j'ai, un vélo connecté avec le home trainer. Vous pouvez très bien avoir un vélo d'appartement classique pour pouvoir faire cette séance. N'oubliez pas de prendre de l'eau, une serviette parce que vous allez transpirer et surtout votre motivation. Allez, c'est parti! Alors... Allez, c'est parti, on y va, on commence. Déroulez tranquillement. Voilà, on est en rythme, là on s'échauffe. Donc là, on est en échauffement, donc ça va permettre de préparer le corps à l'effort. Allez, on accélère, on fait tourner un peu plus vite les jambes. On doit être à 85 RPM à peu près. Z1 pour l'échauffement, 85 RPM. Commence à chauffer un petit peu. On continue encore 20 secondes et on passe aux 3 minutes. Il va falloir mettre le niveau un petit peu plus fort. Allez, c'est parti. C'est plus dur. On garde la même fréquence de la cadence de pédalage. Allez.
douleurs quand même musculaires. La ventilation est élevée, mais elle peut être, elle est stable et contrôlable. Et la conversation est possible, d'accord ? Vous allez mis un peu plus dur et vous tournez toujours autour de 85-90 RPM. On ne bouge pas, les épaules sont stables, ne bouge pas. Utilisez vos fessiers, appuyez sur les pédales. 40 secondes. En 10 secondes, on repasse sans être hors. Donc comme pour l'échauffement, vous allez mettre beaucoup moins dur. Et vous allez être autour de 80 RPM. Diminuez un petit peu la cadence. Voilà, allez. C'est parti. Une minute. On maintient sans problème que la conversation peut être aidée. D'accord ? Dans 10 secondes, on va repasser à 3 minutes en Z3 du tempo. Comme juste avant, on va être un peu plus dur. Allez, c'est parti, plus dur. On continue, on pédale, 90 RPM, allez. Donc là, toujours une légère douleur musculaire, la ventilation est élevée, mais la conversation est possible. Allez, 90 RPM, hein.
épaules, on serre les abdominaux. Encore une minute. Toujours 90 RPM. Dans 20 secondes, on passe en Z1. Donc on mettra plus facile pendant une minute. 10 secondes. Allez, c'est parti. 80 RPM. On réduit la fréquence, la cadence, pardon. Bien, on dure un peu. Donc là, c'est facile. Récup. Et on va repartir. Get
tourne un petit peu moins vite. 80 RPM. On est en Z. Aucune douleur musculaire. Niveau de la sensation.
environ 6 sur 10. I can taste you.
vous mettre les mains au dos. Là, on est tranquille. On récupère. We got
toujours 80 RPM en Z1, donc facile. Allez, 20 secondes. C'est fini! Allez, bravo tout le monde!